Est-ce que vous voulez prendre un aéroport pour les grandes vacances? Mais juste avant de prendre un aéroport, vous devez bien vérifier si dans vos bagages, vous n'avez pas de couteau ou d'armes. Bref, si vous avez le petit, je vous ai pas dit. Je vous souhaite une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je te pose top 15 des pires armes saisies dans les aéroports américains quand ils mettent c'est tout de rien. Déjà, avec l'introduction, vous avez compris c'est quoi le thème de la vidéo. Je pense qu'on va poser juste avant de laisser par là. Petit gars, vous avez la chaîne si c'est toujours pas fait. Si c'est pas petit peu, c'est mieux que ça soit pendant la deuxième vidéo. On commence. Vous avez toujours un petit stress avant de prêcher les tests de sécurité à l'aéroport. Vous trouvez un peu que vous ne pas tenir. Et là, c'est que la haine. C'est temps de 17 ans à déjà franchir le sortie avec une sérénité qui prend maintenant et dans la tête. Il n'y avait pas une pince à essayer, c'est faute de se rendre une barre de vie. Aujourd'hui, qui sont là, les gens, c'est la sécurité, et partout, 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 comme ça, aussi bien. En fait, bref, je crois que c'est la sécurité, c'est la sécurité, mais les parents, ils commencent à donner un nouveau départ. Ils sortent au début de 35 km de loin, du coup, en plus de ça. Ils ont une ville de taille, et là, c'est la dernière ville. Attends, je dis pas qu'il y a un mec avec ses trucs là, dans un aéroport. Et je crois qu'il y a un petit peu de l'air. Il dit que j'ai un petit peu de l'air. C'est moi qui dis que j'ai quelque chose en toi. Si on a un petit peu de l'air, c'est ça à 35 minutes de l'air. C'est le numéro 2. Le petit peu a des mains disponibles dans un déambulateur. C'est quoi ça? Et puis il y a un mec après un petit peu, encore ça c'est pas grave, il y a un petit peu de mais quand même, je sais pas pourquoi le traité, il sait quoi ça, je sais pas ce que c'est. Mais bon, il y a un mec avec un petit peu de cuisine, et il est caché, parce qu'il reprend un équipement de ninja avec son ami. Oh, un équipement ninja, on devrait être son ami. Ah, un équipement ninja. Ok, il y a un mec avec un équipement ninja pour s'entraîner. Dans le pays, ils vont s'entraîner avec ce petit grand ninja, le nombre, le manuel, tout est prêt. Voilà, un mec aurait pris un petit grand ninja. Ça veut dire que c'est un petit kilo, le petit grand ninja, ils vont le battre, même si c'est Batman à bord qui passe pas. Allez, ils ont pris des photos, c'est que ça veut dire que ça, c'est un petit ninja. Ok, il y a un mec qui a pris carrément les touristes de Batman là, allez, il y a, en vrai il y a une mouche qui se trouve là, c'est tout. Mais pourquoi il y a des trucs dans la rue pour battre, pour trouver les trucs? Il y a ça, un flingue habituel, un flingue. Aussi que les États-Unis, les flingues qui n'est pas que, voilà, un mec aurait pris un flingue, et puis dans la rue pour le faire du tout, c'est quoi? Mais quand même, enfin, regardez-moi, le flingue. Enfin, le pistolet, comme je dis. Ok, du coup, il me repousse à quoi là, en gros, des yeux, tout droit, sorti en grande, chassé, et arrivé. Donc, à quoi là? Si, oui, il y avait un film de pistolet. Si, on est en train de dans la magie, enfin, dans la magie, quoi. Et pourquoi le flingue est en magie? Et il y a des gens comme les arbres qui se sont assainis dans les arbres. Et là, je vais vous dire, je vais vous dire, une tenue de parents qui s'assainent un peu de l'écran. Alors, un mec venait aussi se vitrer en mettant une grenade avec une tenue sur un temps de parois. Mais, ça figurait que j'ai à la machine criminelle. Je pense que la police s'est directement vue. Et les nouvelles, ils ont trouvé une grenade parce que j'ai pas trouvé mon pistolet. Parce que j'ai des gens dans la police et dans la police pour les enfants. Bref, parce que des armes, mettre des armes dans le groupe de poste pour la personne qui est numéro 8, tout un arsenal, à partir d'un arsenal, les gens se disent de rien. Ouais, mais tu crois à la première guerre mondiale ou quoi? Il a pris tout un arsenal, c'est pour lui expliquer avec ça. Il y avait des objets appliqués, une grenade dans une tenue en forme de panda,
Alors lui, c'est sûr de se dire que c'est trois paliments. Tout un arsenal. Tout un arsenal. Je pense que c'est des gros dents. Je suis sûr de ce qu'il se fera vraiment à la première journée de la vie. Nous devons mettre en masse un peu moyen à vivre mais efficace. Ah, une masse, pardon, une masse, je crois pour un leader, je crois qu'il est dans le top leader. On a pris une masse, c'est très dangereux. Le droit de leader, c'est très dangereux, depuis une masse, c'est très dangereux. Pour un leader, je vais faire du mal à quelqu'un. Regardez la tête, une masse dans ses bagages, au revenant, à ses qualités. Et vu la masse du coup, l'arme la plus utile pour un ninja, le sabre de ninja. C'est un truc de dingue. Pourquoi prendre un sabre de ninja? Je sais pas. Si c'est pour faire du mal, ok. Niveau 13, un stylo couteau toujours plus cher pour Clover à l'obsession. C'est qui déjà? Du coup, oh, le mec c'est un génie. En fait, il a pris un stylo. Et en fait, ce stylo, c'était pas vraiment un stylo, mais un couteau. Et ça, c'est quand même vu dans les rayons, dans les aéroports. Un stylo couteau, franchement, c'est trop bien. On dirait un agent spécial là qui part en mission, qui prend un stylo, mais en vrai le stylo c'est pas un stylo, un couteau, c'est un couteau. Bref, numéro 14, une grenade ou une cigarette électronique. Une grenade en forme de cigarette électronique. Attendez, c'est un truc de dingue comme les mecs peuvent prendre des armes et les mettre dans des endroits par exemple. Dans des stylos, dans des peines, et maintenant dans des cigarettes électroniques. C'est quand même un truc de dingue. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire dans l'espace commentaire ce que vous en pensez. Numéro 15, une coque d'iPhone, couteau suisse, ou le truc pratiquement, mais pas bien, malin dans un avion. Le mec, il a mis un couteau suisse dans un téléphone. Je sais même pas, ouais, ça doit être un faux téléphone, mais le mec, c'est un génie pour mettre un couteau suisse dans un téléphone. Franchement, un génie, mais ça c'est quand même vu dans les rayons X. Quand même, c'est un génie. N'hésitez pas à liker si ça vous plaît. Bon, les potes, je pense qu'on va terminer avec la vidéo. La vidéo tout directement à la fin. J'ai parlé de vous, j'aurai fait kiffer. On a terminé avec un couteau suisse dissimulé dans un téléphone. Franchement, génie. Il y a que des génies dans la vidéo. Bref, on se dit directement à la fin de la vidéo. J'espère que vous en avez kiffé. Si c'est qu'un like et dites-moi dans l'espace commentaire. Je compte sur vous pour me dire dans l'espace commentaire ce que vous en pensez. N'hésitez pas à proposer des idées de vidéos pour de prochaines vidéos dans les commentaires. N'hésitez pas à liker,
à vous abonner si ce n'est toujours pas fait. Cliquez sur la petite cloche des notifications pour avoir la prochaine vidéo. Moi, je vous dis, c'était vous, j'ai pas fini. Ciao tout le monde.